Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc le DLC est sorti, je l'ai téléchargé, alors ça m'a mis à peu près une heure. Donc voilà. J'ai pas vraiment une bonne connexion, hein, tout ça, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc dites-moi en commentaire combien de temps ça a mis pour vous la mise à jour. Alors elle est disponible que sur PS4, Xbox One et PC. Et Old Gen, bah y a pas. Donc apparemment, moi pour moi, j'ai pas eu d'information qu'il y avait eu une mise à jour sur Old Gen. Donc allez, on espère avoir du lourd. Du lourd, lourd, lourd. Oula, tu vas te calmer ma PS4. On va vite se calmer, toi, avec tes bruits. Alors j'ai remarqué qu'il y a des nouvelles images maintenant, vous voyez, en fond, pendant le chargement. Donc c'est très swag. J'aime beaucoup. Boum, 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 boum. Allez. Oui, regardez la petite image derrière, très belle, j'aime bien. Très très beau. Allez. Ah, votre véhicule personnel a été détruit. Merci. Voilà, de nouveaux véhicules sont ajoutés. Alors, les missions de la mare maintenant sont orange, très bien. À l'achat sur les sites de sélection voyage et transport. Donc, ok. Alors, on va y aller. Oh, ça, c'est le nouveau LS Custom que je vous avais parlé. Nous trouver. Ils sont juste ici. Ok, on va placer un repère parce que moi, je vais y aller après. Donc, ok. Alors, on m'a dit aussi que dans le véhicule on pouvait les ouvrir. Alors portière du véhicule, on les ouvre dans le menu d'interaction, option distance du véhicule. C'est tout ce qu'on peut faire, on peut juste les ouvrir. Non, je pense pas. Donc on va aller voir les véhicules, c'est surtout pour ça que par ça qu'on va commencer en fait. Donc déjà avant, je vais m'acheter un nouvel appartement parce que comme vous le savez, on peut s'acheter de nouveaux appartements, on peut en avoir 4. Bon, moi je vais prendre celui-là. Celui-là, je vais prendre celui-là. Acheter. Allez. Vide. Voilà. Retour à la carte. Donc on va quitter ça. On va aller voir les nouveaux véhicules. Je t'ai dit, quitter ça, voilà. Respectez-moi. Ah, il y a même un nouveau site. D'accord. Ah bon, bah c'est le site trouver la vieille voiture de vos rêves. Certains projets personnels. Ok. Alors, ça c'est tous les véhicules qu'on peut customiser. Donc c'est tous des anciens véhicules. Alors on va prendre déjà la Vapicino. Avant. Ah, ça nous montre même un aperçu. Après, alors là on la prend en noir. Ok. On va la mettre dans le Richard Majestic numéro 2. Voilà. On va quitter ça. Je vais prendre la D-Class Bombay. Oh, très belle. Très belle. J'achète en blanc. Voilà. Alors, on va regarder un peu tous les véhicules avant, après. La Albany Primo. J'aime pas trop. La D-Class Vodo. Oh, très belle. Mais pas trop mon style. Autrement, très belle. La Albany. Très belle aussi, mais pas mon style. Et très belle aussi, mais pas mon style. Donc, ok. Alors, est-ce que. Bon, je pense pas qu'on a des véhicules aériens. Non. Dans les Legendary Motorsport, on n'a rien. On va aller dans le dernier magasin. Enfin, dans le dernier site. Et on n'a rien. Donc, on n'a que les véhicules qui sont là. Showroom. On va y aller. Voiture du jour. Projet réalisé. Ok. Ok. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura montré un petit peu les véhicules qu'on peut customiser, tout ça. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis quoi? Ciao, bye. Peace.